bien bonjour à tous les amis, c'est Blue Jumper. J'espère que vous allez bien. Écouter, moi c'est Tony Calcon et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Mais avant tout on se retrouve bien entendu pour du Arc. Merci beaucoup les amis comme d'habitude pour tous vos retours sur la série, que ce soit les vidéos écoutez de mode ou alors également la suite de notre aventure sur Arc. Merci beaucoup les amis, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui comme vous l'avez bien entendu il y a quelques secondes de cela, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Alors bien sûr on va quand même s'amuser avec nos dinos etc, mais plus particulièrement avec nos Wyvern et hier qui sont derrière nous, parce que regardez, je vous ai concocté un petit paquet de petits trucs bien sympathiques qu'on va essayer juste après. Mais les amis, plus sérieusement, je voulais vous parler avant toute chose de la vidéo concours qu'il y a eu sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, celle où j'ai découvert le coffret collector de Arc avec vous. Et d'ailleurs vous avez effectivement donné comme information que c'était un concours et que vous aviez la possibilité de gagner deux collector Arc, c'est à dire un sur PlayStation 4 et l'autre sur Xbox One. Et bah figurez-vous les amis que ça y est, j'ai eu effectivement les résultats, c'est à dire que j'ai choisi avec bien entendu aussi également les collaborateurs qui bossent avec Arc hein, bien sûr, les gagnants, donc les deux gagnants, donc ils seront informés par mail. Donc les amis, vous recevrez un mail si jamais vous avez gagné. En tout cas si vous n'avez pas gagné, je voulais vous remercier quand même grandement pour votre participation, parce que je crois qu'on a battu un record de participation sur la chaîne, parce que j'ai fait beaucoup de concours il y a très longtemps de ça, et là pour le coup vous étiez pas loin de 23 000 participants, voilà hein, pour deux collecteurs quand même. Donc voilà, il faut savoir que je referai, je pense, et là c'est même sûr, d'autres concours à l'avenir, alors sur Arc ou autre chose bien sûr, parce que j'ai vu que ça vous a vraiment plu. Et généralement les concours je les vis sur Twitter, je sais que vous n'êtes pas tous sur Twitter, donc du coup je suis bien content qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pu participer sur YouTube. C'est vraiment, c'était l'occasion. Et figurez-vous justement, c'est qu'il y a eu tellement de participants et vous étiez tellement nombreux à kiffer justement le concours sur YouTube, je me suis dit bah écoutez, on en fera, ça c'est clair, parce que comme je le disais effectivement j'en faisais sur Twitter mais j'en avais jamais fait il me semble sur YouTube. Voilà, donc en tout cas GG aux gagnants. Et les amis, pour tous ceux qui n'ont pas spécialement gagné collector, et bah figurez-vous que vous aurez peut-être la chance de gagner autre chose dans les futurs concours à l'avenir, et en plus qui seront disponibles sur YouTube et non pas que sur Twitter. Voilà, donc les amis, merci beaucoup, 23 000, c'est quand même énorme. Vous avez aussi également kiffé complètement l'unboxing, hein, vous avez vraiment surkiffé et tout, vous avez bien aimé que je découvre tout ça avec vous, parce que comme vous le savez, Arc et nous, hein, les amis, c'est la passion, hein, bien entendu, voilà, c'est la passion, on s'amuse, etc. Mais comme je vous ai dit, je vous ai réservé aussi également un petit bonus aujourd'hui, parce que bon, ça aurait été un petit peu bête, hein, je vais pas vous mentir, de faire une vidéo où je vous retrouve sur Arc et j'aurais dit, bon bah voilà, vous avez gagné, ou alors malheureusement, vous n'avez pas gagné, mais vous gagnerez plus tard, et au revoir, et ciao, et bah, non, on ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, tu vois. Bon, alors du coup, les amis, comme je disais, un petit bonus, et bah figurez-vous que je me suis baladé dernièrement, une fois de plus, comme je le fais souvent, sur le wiki de Arc. Vous savez, pour voir un petit peu les updates, les mises à jour, etc., qui sont ajoutées au fil du temps, parce que oui, là, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de petites mises à jour. Bon, on va pas se mentir, je pense que les prochaines updates, ça sera pour Halloween. Voilà, c'est. Ah, ça, c'est clair. Voilà, donc l'event Halloween, ça se passera peut-être avant, ça commencera du moins avant, mais voilà, je pense que la prochaine mise à jour, c'est pour Halloween. Voilà, donc est-ce qu'on aura des nouveaux objets ou autre. En tout cas, ils ont ajouté des nouveaux skins, et j'ai bien sûr l'intention de vous les montrer, les amis. Voilà, donc ce sont des skins en plus en rapport avec Scorched Earth. Voilà, donc par rapport à la victoire contre la Manticore, hein, ce qui n'a pas été vraiment mon cas, je vais pas vous mentir. si vous vous souvenez, ça fait longtemps d'ailleurs. Donc, figurez-vous qu'on avait à l'époque, vous vous souvenez, il y avait les gants de Wyvern, on avait le bouclier, tout ça et tout, enfin qui était de la Manticore. On avait l'épée du désert, donc entre guillemets de la Manticore, mais on n'avait pas. Regardez le torse, ni les jambières, ni les bottes et ni les gantelets. Voilà, et également ça je l'avais jamais vu aussi également auparavant. Je pense que ça a été ajouté sûrement dû à Halloween de l'année dernière. Mais vu que j'avais pas non plus tous les skins, forcément je n'ai pas vu en tout cas ce fameux skin de squelette de Wyvern qu'on va aussi découvrir aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est quand même, parce que franchement, alors je me suis pas spoil honnêtement les skins de la Manticore, mais je pense que ça doit envoyer du très très lourd, parce que honnêtement déjà je me souviens qu'on avait réussi à se faire une armure d'or, ça a envoyé du steak. Alors là, vu que c'est les vrais skins officiels, là ça a vraiment envoyé du lourd. Alors attention, on va voir un petit peu. Donc l'épée, on connaissait, je vous rappelle. Hein, donc, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'au cas où vous connaissiez pas d'ailleurs ces skins là, je vais pouvoir vous les montrer. Vous allez voir qu'ils sont très cool. Ils font partie de mes skins préférés de Arc. Ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Je vous rappelle que c'est en rapport avec la Manticore. Hein, l'affrontant, bien entendu, et en tout simplement en terrassant la Manticore d'une difficulté à une autre, bien entendu. Voilà, donc alors on a le bouclier aussi également qui est là. Donc lui, par contre, je l'avais déjà mis. Bon, parce qu'on lui, regardez, on l'avait déjà vu à l'époque avec, regardez, oh le logo, enfin je dirais même le symbole de la Manticore qui est magnifique, voilà. Et on a aussi également, hop, l'épée qui est, regardez, comme celle-ci, voilà. Ah non, ça c'est une torche, non, voilà, ça c'est une épée. Oh, elle m'avait manqué. Oh, elle est tellement grande, elle est tellement belle, waouh. Oh là là,
le gardien des portes de la Manticore. Et on avait aussi également le casque. Alors on va le mettre directement voilà, sur le mien, regardez, voilà, ça donnait ça. Voilà, en gros on avait que ça. Auparavant on n'avait rien d'autre de plus. Et là maintenant, alors je sais pas depuis combien de temps ils ont ajouté ça. Ça se trouve ça fait plusieurs mois, donc vous m'excuserez si je découvre ça maintenant. Bon, ça reste des skins, mais je crois que ça a l'air d'être assez récent quand même. Parce que je m'étais déjà baladé au niveau des skins et au niveau des ajouts par rapport à ça. Et il n'y avait effectivement pas encore ces trucs là. Alors attention, le plastron. Oh! Wouah! On dirait un garde genre dans Thor. Oh! Wouah! Et on dirait les gardes dans Thor dans le film, hein. Oh, tellement stylé. Alors attendez, c'est parce que je regarde le sol. Oh my god. Oh là là. Oh, c'est tellement stylé. Oh, le paladin. Le paladin des dinosaures. What? Alors le bouclier à côté de ça, il fait un peu tache quand même, hein. Limite avec celui en métal, ça serait plus joli, mais bon, je l'ai pas sur moi, mais oh, wow. Alors avec celui en or que j'avais fait là, vous vous souvenez, le bouclier en or, ça aurait été plus joli. Parce que là, ouais, c'est vrai que l'épée, elle est immense, l'armure, elle déchire et tout, mais le bouclier, il est beau, mais il est petit, hein. Je pense qu'il devrait nous le agrandir le truc quand même, parce que même là, en plus, on voit que dalle, quoi, avec, mais ah ouais, il est vraiment petit, quoi. Mais waouh, il est super beau, il est vraiment magnifique, sans déconner. Oh, il est super beau, voilà. Donc ça, c'était effectivement le skin que je voulais découvrir avec vous. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, les skins, c'est tellement beau. Et on avait effectivement, attendez, je vais remettre quand même les jambières. J'ai quand même le skin squelette Wyvern qu'on va découvrir. Ah oui, c'est bon, on peut pas le mettre dans la barre de raccourci. Voilà, et regardez, on va peut-être le mettre à Smaug. Ça peut envoyer plus du lourd. On va envoyer à Smaug le skin. Attends, tac. Voilà, et on va le mettre là-dedans. Wow. Ah, effectivement. Ah, tu n'as plus la peau sur les os, mon ami. C'est le cas de le dire. Wouah. Attends, on va monter dessus. Oh, oh, ça fait flipper. À mon avis, il est vachement discret de loin, hein, comme ça. Oh. Wouah. Oh my goodness. Je sais pas comment on le gagne, ce skin. Oh, je connaissais le skin du de la Wyvern Zombie, mais... Oh, il est magnifique, hein. Bon, il est assez spécial. Je le préfère... Alors... Ça, je préfère quand même moi de base, parce que bon, Smaug est très beau quand même. Mais ah ouais, non, ça fait flipper quand même. Hein. C'est très spécial. Ah, effectivement, oui, ça nous rappelle un peu notre ex, hein, qui est dans le musée d'ailleurs, hein, toujours. Hein. Bon, c'est un squelette, il a pas besoin qu'on s'occupe de lui, vous inquiétez pas pour ça, donc c'est normal. Mais what? Ah ouais, non, ça fait vraiment bizarre. On dirait une Wyvern maigre, tu vois ce que je veux dire? Elle est vachement maigre. Mais parce que là, pour le coup, mais là, on a les détails et tout, c'est. Waouh. Bah là, on se rend bien compte du squelette, de la bête. Ouh là, les pattes elles sont magnifiques, hein. Et le crâne. Et le crâne. Holy shit. Est-ce qu'on peut cracher les flammes quand même? Yeah, bien sûr. On se demande d'où viennent les flammes, mais bon, c'est pas grave. Oh, et de dessus, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant, quoi. The Beast. Avec le cri. On peut attraper aussi également. Ouais, on peut attraper, ça c'est vrai. Ça, je le faisais pas avant. Il me semble qu'on pouvait pas le faire. Ça a été ajouté au fil du temps. Ah ouais, c'est vraiment badass quand même, hein. C'est complètement badass. Voilà, et bah écoutez, bah les amis, voilà. C'était le skin, du coup, de la Wyvern squelettique. Eh, c'est un truc de fou, hein. Sans déconner, elle est vraiment super belle. Mais par contre, je reviens vraiment pas de l'armure. Elle est vraiment très jolie, mais le bouclier, je rappelle que... Voilà, un peu trop petit. En tout cas, bon, bah écoutez, elle est vraiment pas mal. Bon, on va essayer quand même de chasser un petit peu avec elle. Parce que ça fait un moment, quand même, hein. Ça fait un moment. Hop. Oh, ça brûle, hein. Ah, ça brûle, hein. Ah, ça, mon gars, on va faire un petit steak. Tranquille, ça passe. Ah, je n'ai plus d'énergie, ouais. C'est pas si tranquille que ça au final. Heureusement qu'il vient pas macro quand même. Parce que c'est vrai que pour les Wyverns, le problème ça reste toujours l'énergie. Ah, il revient. Tu as changé d'avis, n'est-ce pas? Tiens, on va voir. Oh, oh, au sol direct. C'est comme ça que ça se passe. Et oui, mais bien sûr, mais oui. Bon, et bah écoutez les amis, on va déposer bien entendu la Wyvern. Voilà, donc j'ai très hâte en tout cas, oui, effectivement, qu'on ait l'update, hein, l'event, hein, par rapport à la Manticore. Donc bien sûr, on reprendra un petit peu l'aventure. Sauf que là, cette année, on va essayer de farmer à mort les skins. Et on va essayer, et écoutez-moi bien, on va tenter, je dis bien tenter, et je pense, ça c'est sûr, on va affronter le Dodorex. Voilà, c'est officiel, je vous le dis, c'est un gros spoil. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on affrontera le Dodorex dès qu'il arrive, on se le fait. Je vous rappelle que le Dodorex, c'est une immense créature, hein, vous l'avez vu vraiment partout, hein, que ce soit, bah, surtout dans les comment dire, dans les battles, hein, que j'avais fait dans le Colisée, vous vous souvenez, dans les Air Battles, on l'a vu une paire de fois, il est d'ailleurs très très fort. Mais je pense que, vu que cette année, ils sont quand même vraiment, les admins se sont concentrés sur les mises à jour pour, vous savez, baisser la difficulté des boss par rapport au solo, je pense qu'il y a moyen qu'effectivement, ils soient
soit moins fort et du coup il y a moyen de se le faire avec mes 4 giganos. Ou au pire, on se le fera avec le Tyrannosaurus, parce qu'il me semble qu'à cette époque-là, je ne l'avais pas encore. Voilà, ni les 4 giganos d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça passe très vite. Mais voilà, je me souviens qu'effectivement, on ne les avait pas encore. Et je suis très content de me dire qu'on va pouvoir du coup avoir l'occasion de se faire le Dodorex et du coup d'obtenir le trophée, quoi, le succès, etc. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses assez sympathiques que je pense que je vais essayer d'obtenir. Et aussi également, avec un peu de chance, peut-être obtenir les skins squelettiques pour les autres dinos. Je vous rappelle qu'on les trouve en fait directement à l'état pur, à l'état brut, je crois, il me semble. Et on les croise, et quand vous les tuez, en fait, vous allez obtenir effectivement le skin squelettique du dino en question. Voilà. Et bah écoutez, les amis, on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une vidéo très très courte, mais je vous rappelle que c'était surtout une vidéo pour vous informer. Voilà, que le résultat du concours a été effectué. Voilà, donc vous recevrez un mail, ou alors dans ce cas-là, je voulais vous remercier quand même pour votre participation. Ne vous inquiétez pas. Et même les amis, si vous n'avez pas forcément gagné aujourd'hui, bah figurez-vous qu'il y aura d'autres concours, voilà, sur la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir, cette annonce, parce que c'est vrai que, bah, je n'avais pas prévu de faire concours, d'ici là, hein, je l'avoue, hein, je vais pas vous mentir, mais si jamais il y a l'occasion, effectivement, je vous partagerai ça, non pas sur Twitter, mais sur YouTube, pour que vous puissiez, bien entendu, en profiter. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les amis, pour votre participation sur le concours de Arc, et surtout, merci beaucoup les amis, toujours, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de bombarder toutes les barres de like, et également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup les amis, c'était VioJumper, n'oubliez pas quand même de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi que vous abonnez à la chaîne et partagez la vidéo et la chaîne. Merci beaucoup les amis, c'était Furious, on se retrouve très bientôt, ciao.